Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire la vidéo sur le tissu de Parfaite le Renard. Dans le fond, c'est la blonde à pinceau, qu'on a le pinceau Parfaite. On se trouve bien drôle, mais mon Dieu qu'on a du fun! Avez-vous vu le beau tablier? Puis là, je sais pas si vous voyez ici de proche, on a fait faire du tissu, de la soie, dans le fond. On vous montre ça ici. Avec Parfaite le Renard. Mais avouez que c'est beau. Fait que sur votre sac que vous avez ici, parce que ça, c'est la sacoche que Karine a fait designer. On va s'amuser à tout vous la montrer. Là. Elle a quatre belles poches sur le côté. Elle se ferme. Mon Dieu, je vous dis les filles, là, vous allez tomber en amour. Vous avez ici le napperon. Avec Parfaite. Fait que vous avez votre napperon, puis votre mari a son napperon. Parfait. Fait qu'on ne chicane pas. Mm-hmm. Voici le tissu. C'est magnifique. On a fait faire même des. J'achète une voyelle, là. Excusez. On a fait faire des châles. Pas des châles, un foulard pour mettre au cou. Puis on a fait faire aussi les petits pour accrocher après les sacs à main ou votre. Ou votre beau tablier. Fait que... Allô! Oh, fait que là, c'est en train de le faire sur un... sur un cadre, mais oh, là, je me trompe ou c'est une nouvelle grandeur? C'est une toile. Oui, c'est ça. Bon. Oui. On peut peindre sur le cadre, mais on va y aller pour la toile. Ah, ben, c'est une nouvelle grandeur aussi. C'est une 12 par 12 extra profilée. Un petit peu plus épaisse, fait qu'elle peut rester vraiment... Elle peut être encadrée ou elle peut être mise au mur. Elle peut même être sur une tablette parce qu'elle se tient bien. Oh, c'est magnifique. OK. Fait que j'avais commencé déjà. J'ai mis du médium éclaircissant sur la tête. OK. On n'a pas parlé de ce que vous aviez besoin, mais tu voulais-tu le présenter ou... Oui, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour préparer notre... pour peindre notre Parfaite le Renard? On a besoin toujours des pinceaux Lunar. On va jouer plus avec des grandeurs moyennes petites. Un pinceau traceur. Fait que tout dépendant, parce que vous avez plusieurs choix de dessin, si vous le faites comme Marie vous a présenté, soit sur la sacoche, soit sur le napperon. Fait qu'on va varier les grosseurs en fonction de ce qu'on a, sur quoi on va le faire. OK. Fait que, ben là j'avais commencé, j'ai mis mon médium éclaircissant sur ma surface. On va le travailler une section à la fois. OK. Notre première couleur, c'est un mélange de deux couleurs, là, de cannelle et de bouton d'or. Okay. Fait que faites votre mélange pour vous assurer d'en avoir suffisamment pour tout votre renard. Ça a tellement l'air à bien glisser avec ton médium. Oui, toujours préférable d'en mettre... Sur le côté ici, là, ce qui est le fun, là, laissez déborder quelques petits traits. Ça va y faire des petites couettes, ça va y donner un petit air coquin. Fait qu'on vient vraiment remplir toute notre section. Avec des petites couettes sur le dessus de la tête. Ouais. Puis vous
remarquez que son pinceau, il est très, très fin. Fait que ça va bien pour faire les petites couettes. Mais c'est surtout que mon pinceau, il est relativement neuf. OK. Parce qu'il est pas... c'est un quart, il est pas trop petit. Mais il est pas... il est neuf, donc il est pas trop usé. Ma tranche, elle est bien droite, fait que ça nous permet d'avoir des traits plus précis. OK. Je fais la même chose de ce côté-ci. On y ajoute des petites couettes en travaillant juste sur la tranche du pinceau. Fait que vous venez remplir votre section, puis après ça, juste... Pendant que c'est frais, comme je vous disais tantôt, on va travailler une section à la fois. On va venir mettre nos ombres, nos lumières. Okay. Pour mettre nos ombrages, on va travailler avec la couleur cannelle pure qui n'a pas été mélangée. Du côté droit de la tête ici, on va venir juste ombrer un petit peu. Fait que votre couleur va juste être un peu plus foncée que votre couche de base. C'est vraiment très léger là, comme ombrage. Là. Ça va être tout doux. Mais on le voit très très bien la différence de couleur à l'écran. On continue, on va pouvoir venir mettre notre lumière. Notre lumière, on va prendre un petit peu de jaune et de blanc. Au centre ici. Là, c'est important de bien suivre l'inclinaison. Fait que du côté droit, on va vers la droite, de la gauche vers la gauche pour donner un mouvement qui soit plus naturel. On apprend tellement à te regarder peindre, là. Là, ma couleur, elle n'a pas eu le temps de sécher, là. C'était vraiment bien frais. Fait que dans ce temps-là, bien, souvent, notre lumière va venir se mélanger... à notre couleur de base. Fait que je vais la laisser sécher un petit peu. Je vais aller travailler les oreilles. Ça va lui donner la chance de juste figer suffisamment sans que ça soit complètement sèche. Puis je vais revenir accentuer les lumières. OK. On continue les oreilles. Je mets toujours mon médium éclaircissant au préalable. C'est important, les filles, le médium éclaircissant, ce n'est pas un médium à textile. Pas confondre, c'est pas la même chose du tout. Parce que souvent, vous nous appelez pour nous demander c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un médium à textile, c'est un médium qu'on ajoute à notre couleur pour lui permettre d'être compatible avec le tissu. Tandis que notre médium éclaircissant, c'est un médium de travail qui nous permet de bien... pour pouvoir diluer nos couleurs, pour pouvoir travailler un peu plus longtemps, lui donner de la transparence. C'est entre autres dans la façon que je travaille, ça permet à nos couleurs de pouvoir se mélanger frais sur frais. C'est un petit peu comme un retardateur, mais à tissu. Mais merci beaucoup pour la spécification, parce que c'est vrai qu'on reçoit souvent les gens se posent la question, c'est très très clair maintenant. C'est sûr que c'est vrai. Elle est tellement belle. Fait que les oreilles, fait que là vous avez remarqué, j'ai mis du médium sur les deux oreilles.
Oui. Vu que c'est deux petites sections, ça n'aura pas le temps de sécher. Fait qu'on va avoir le temps de travailler toutes les deux. Okay. Je vais la mettre droite, hein, je pense pas, mais... Tiens, je vais même aller de l'autre côté aussi. C'est sûr que si vous savez que vous travaillez un petit peu plus lentement, travaillez une oreille à la fois. C'est noté. Ici. Vous remarquerez que votre artiste Karine travaille à l'envers pour que nous, on voit à l'endroit. Ici. Fait que là, on a mis notre couche de base sur nos deux oreilles. Avec la couleur cannelle, on va venir ombrer un petit peu l'intérieur de l'oreille ici. On va y creuser, on va créer un creux en mettant l'ombrage. La même chose de l'autre côté. On va ombrer davantage en utilisant un peu la couleur chocolat. Juste une petite quantité là, qu'on va venir appliquer à l'intérieur, que ça soit un peu plus foncé. Mais juste sur une petite zone. J'en mettrai pas trop, on ne veut pas y donner un air sévère. Voilà. On va y mettre sa lumière aussi. Là, on peut travailler avec des pinceaux un peu plus petits. Je vais y aller avec le 1-8. Pour la lumière, tantôt, je vous disais un petit peu de jaune, un petit peu de blanc, mais vous pouvez garder votre couleur de base dans votre pinceau, okay. Un petit peu. C'est juste qu'on vient pâlir en ajoutant du blanc, le jaune qui était déjà dans notre mélange. Mm-hmm. Fait que ça fait une couleur qui est plus lumineuse, là. L'important, c'est qu'on soit plus clair que la couleur de base qu'on avait mis. Fait qu'on vient mettre quelques petites touches de lumière sur le repli des deux oreilles. Puis vous pouvez vous laisser déborder quelques petits traits. Des petites touches comme ça pour y donner un effet un peu plus poilu, là. Mais... Je ferais la même chose. On peut continuer avec la bedaine, la cuisse du renard, cette section-là de la queue. OK. Toujours avec, on met notre médium, on met notre couleur de base qui est le mélange de cannelle et de boutons d'or. Okay. On peut venir mettre les ombrages. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vais l'avancer, mais on va finaliser comme il faut les lumières ensemble pour que vous puissiez voir la direction des traits, comment on l'applique. C'est parfait. OK. Donc, j'ai continué. On a mis dans le fond la couche de base de la même couleur. On a fait toutes les sections qui étaient avec la couleur comme un orangé ocre. Là. Ouais. Ce que j'ai ajouté, c'est l'ombrage. Toujours avec la couleur cannelle, là, j'en ai mis un petit peu. Okay? Ouais. Ici aussi à la base de la queue. Mais on va faire les lumières ensemble. Ben, souvent, c'est la direction des traits qu'on a plus de besoin d'un petit coup de main pour bien diriger... l'orientation. Oui. OK. Toujours avec notre lumière, les mêmes couleurs, un peu de blanc, un peu de jaune, mais j'aime ça avoir un peu de la base. Oui, c'est ça, ça fait moins... Je vais revenir ici sur la tête, parce que ça, c'est encore tout frais, c'est parfait, c'est ça qu'on veut, okay. Mais ça sera pas sèche, là. Puis ici aussi, là. OK. OK. Tantôt, je l'avais mis, mais ça s'est vraiment beaucoup mélangé à ma couleur de fond. Fait que oui. Je trouvais que ça manquait un peu d'éclat. Fait que je me suis permis d'avancer les autres sections pour y revenir. Fait qu'on vient brosser doucement notre surface. Ici aussi, les oreilles, je vais me permettre d'y en ajouter un petit peu. Bien,
vraiment sur la tranche de son pinceau. Surtout ici, parce qu'on veut bien, on va aller chercher des traits un petit peu plus précis. Là, des fois, mettons que ça vous arrivait de, ça vous arriverait d'être, que c'est pas assez doux. Là, j'ai pris un pinceau propre. Okay. C'est un vieux pinceau Lunar. Là. On peut venir balayer juste à la fin de la lumière pour estomper. Vous n'ayez pas de coup d'arrêt. Ce qu'on veut, c'est que ça se fonde, ça se finisse à rien. Fait que c'est toujours possible d'utiliser un pinceau propre. Là, je sais, le mien est un peu... il y a du millage là, dans le corps. Fait juste venir estomper comme ça. Okay. Des fois, ça aide pour aller chercher une transition qui soit plus douce. Parfait. OK. Pour les autres sections, on va avoir de la lumière ici, un petit peu sur le dos du renard. Suivez bien la courbe du dos. On apprend toujours quelque chose de nouveau dans le... Ici. Mais oui. Puis, laissez-vous quelques traits apparents, c'est beau. L'important, c'est qu'ils suivent la bonne direction, ça va... OK. Ici aussi, la cuisse, sa petite cuisse, là. On suit juste la petite rondeur ici. La lumière, ça change tout, hein? Oh mon Dieu, ça... Ici aussi, je vais l'avancer un peu vers toi. Merci de penser à nous, mais toi aussi, faut que tu sois à l'aise. C'est bon, c'est bon. C'est tellement beau d'étoiles de lin. En plus, on décale. On dirait qu'il n'y a pas de préparation à faire avant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de ponçage, pas de vernis à prendre. Non, il n'y a pas de vernis. Oui, c'est différent. Hein? C'est autre chose. Quelque chose, ça s'amène partout. Je ne sais pas toi, mais tu sais, souvent, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans un patron. Oui, y a pas, oui. On peut amener ça partout. Exact. Quand on part pour une fin de semaine ou n'importe quoi, on amène notre projet dans notre sac. Puis c'est simple. Quand je vais en vacances, c'est toujours un projet tissu souvent qui vient parce que c'est sur un tissu, quelques couleurs, tu n'as pas de vernis. Comme tu dis, il n'y a pas de préparation à faire. Fait que c'est pas encombrant, c'est vraiment là, dans un petit sac tout rentre. Oui. Oh. Magnifique, Karine. On continue. Je m'étais permis de prendre un petit peu d'avance. Okay. Mais c'est encore frais, hein? C'est important, les filles, travailler toujours sur une peinture qui est encore humide, là, qui n'a pas eu le temps de sécher. Okay. Entre chaque couleur, ça va être beaucoup plus beau, votre fondu. Blanc. J'ai mis mon médium, ma couleur taupe. Je vais venir éclairer les petits les pointes de son collet en blanc. Puis là, pour pas qu'on ait de lignes qui découpent, je peux venir estomper mon blanc en le remontant. Mais c'est intéressant que ici, sous son menton, ça reste juste la couleur taupe plus foncée. Fait que ça va créer un petit creux. OK. On peut revenir ajuster nos lumières jusqu'à ce qu'elles soient à notre goût. Avance vite, hein? Ici. On va le laisser sécher. Je continue. On va venir mettre ici du médium sur la partie inférieure du visage.
a déjà décalqué les yeux puis son petit nez, ouais. C'est parce que la peinture, on va le voir au travers? Non, ben non, j'ai fait ce que je vous dis de pas faire. Oh, ok, mon Dieu, c'est pas pour te prendre en défaut, je pensais vraiment que c'était parce qu'on était pour le voir après. Non, dans le patron, c'est bien dit de omettre de décalquer les yeux, la bouche. C'est pas nécessaire parce que, justement, on va passer par-dessus. OK. Fait que, idéalement, on va pouvoir les reporter après avoir fait cette étape-là. OK. Mais quand j'ai fait mon dessin, ben, je l'ai pas passé. Mais c'est parfait, mon Dieu. Je voudrais bien dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, que c'est mon assistante, mais non, il n'y a pas d'assistante. Fait que on applique la couleur taupe, puis là aussi, un peu comme on a fait pour la partie supérieure du visage. On va venir laisser déborder quelques traits. Quand je dis quelques traits, là, c'est 2-3. On n'a pas besoin de... Tu sais, pour créer l'effet... Des petits pois. Ouais. Voilà. Fait que là aussi, on continue. On met notre lumière en blanc. On va partir du nez. Puis, on va venir glisser quelques traits de lumière de chaque côté du visage. C'est fou comme ça prend. Bon, ça a une autre dimension. Oh, c'est... Oui, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. On va y mettre un petit peu de lumière sur le menton aussi. Juste à la base du menton, là. Puis on peut aller en chercher un petit peu. Puis le côté toujours intéressant de travailler sur une couleur de fond qui est encore fraîche, vos couleurs se mélangent bien, viennent se fondre doucement. Il y a une transition qui est beaucoup plus douce, plus agréable, plus facile à travailler. Fait que déjà, on a une belle petite bête. On va la laisser sécher un petit peu. OK. Puis c'est certain qu'au fur et à mesure, comme là on le voit tantôt, on a travaillé la section du collet. Tu sais, il me semble que mon blanc, il est moins blanc qu'il était. C'est normal, mes couleurs se sont fondues un peu les unes aux autres. On peut se permettre de revenir peaufiner un peu. J'ai pas besoin d'attendre que ça soit sèche, au contraire. Pendant que c'est encore un peu humide, là, je pourrais dire, mais je vais remettre un peu de lumière, il me semble qu'il en manque. OK. C'est important de prendre le temps, justement, d'observer, de regarder. Puis, mettons, là, moi, j'ai un temps X alloué à la peinture, là. Ouais. Puis, je m'en rends compte juste demain qu'il manquait de la peinture. Est-ce qu'il est trop... qu'il manquait de la lumière. Est-ce qu'il est trop tard? Rien ne va plus. Rien ne va plus. OK. Tu nous suggérerais quoi dans ce cas-là? Si jamais, mettons, c'est le lendemain que vous trouvez qu'il manque un peu de lumière, je vais venir mettre du médium que j'ai plus sur ma palette, du médium dans mon pinceau. OK. T'sais, je vais vraiment, là, je vais bien le charger de médium. Je vais aller chercher une petite touche de blanc. Déjà, en ayant du médium, ça va permettre à mon pinceau de bien glisser. Fait que dans le fond, oui. OK, t'sais, on ne mouille pas, on ne remet pas dans le fond du médium. On pourrait, tu sais, oui. Je pourrais remettre un peu de médium sur ma surface. Mais dans le pinceau. Si c'est une... C'est ça, si c'est une petite section, okay. Je peux en remettre juste sur la surface. Mais si, tu sais, vous voyez que vous en mettez juste dans votre pinceau, que ce n'est pas suffisant, mettez-en un petit peu sur votre surface. Ça ne défera pas ce qui a été fait, mais ça va pouvoir vous permettre de revenir bien fondre votre couleur que vous voulez ajouter. Oh, merci encore. OK. Oui. On avait terminé notre section de taupe. Là, j'ai terminé la queue. Oui. Même principe, même couleur. On met notre lumière en se laissant des traits apparents. C'est bon. Oui. Un petit truc
que j'avais oublié peut-être de dire tantôt, dans nos ombrages sur les sections orangées, oui. J'ai ajouté un petit peu de brun. Tu sais, comme dans l'oreille, ici, on avait mis, aussi, on avait ajouté du brun par la suite. Ici aussi, juste à la base de sa cuisse puis de sa queue un petit peu. C'est bon. C'est tout. Je me suis permise de commencer, j'ai les pattes, fait que j'ai mis mon médium. La couleur chocolat. Oui. Puis là, on va venir ajouter un petit peu de... Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute du bleu à ça. On va ajouter du bleu, OK? La seule chose, il faut s'assurer que ça soit sèche. OK. C'est bon. Que ça soit sèche. OK. Fait que magie, c'est sèche. OK, c'est bon. C'est bon. Le feutre bleu. Oui. Il est bleu foncé. Hein? C'est plus foncé un petit peu que ce que le bouchon peut présenter. On va venir ajouter comme des petits poils. On va laisser déborder un petit peu à l'extérieur des pattes. Je vais pouvoir... Les petites séparations de pattes aussi, là. Juste effleurer la surface. Oui, juste avec la pointe. Hein. On n'a pas besoin de peser fort. Ici aussi, la même chose. Pour définir un petit peu les pattes arrière, le même principe. Puis, on va venir avec notre petit pinceau. Vraiment le 1/16, très petit. Avec le bleu ultramarine. On va venir ajouter un petit peu de couleur pour aller chercher un petit peu plus d'ombrage. Je pense pas. Mais c'est beau mettre une touche de bleu. Oui, ça sort toujours bien avec le brun. Là, c'est plus intéressant que le noir, là. Puis tantôt, là, elle a dit, Karine, elle a dit, on avait oublié de mettre dans le fond la petite touche chocolat. Mais dans le patron, là, c'est tout marqué étape par étape. Dans le fond, la vidéo se veut une aide pour vous aider à le réaliser, mais les étapes sont toutes indiquées en ordre dans le patron, c'est ça. Oui. Avec la même chose ici. Fait qu'on peut venir les peaufiner un petit peu avec le petit pinceau. Oui, c'est ça. On va travailler les traits du visage. Pour faire les yeux, j'aime bien les faire au pinceau. Fait que je travaille avec le petit traceur. Ça, je vais le tourner. Pas parce que je veux pas que vous voyez, non, c'est parfait, mais les yeux sont les faits. Oui, moi, je vais me tourner. J'ai mélangé ma couleur noire à notre médium éclaircissant. Ah, c'est-tu beau? Est-ce une beau trait? Oui, on va venir... une petite goutte de trop. Ici. Fait qu'on la maquille un petit peu. Elle est coquette. Elle est vraiment belle. On va faire sa bouche aussi. Comparée à notre autre nord qu'on a fait précédemment. Oui. Celui-là, il y a un petit trait ici avec une petite bouche là, toute délicate. On va venir la surligner, c'est-à-dire faire le contour. Toujours avec le noir puis le traceur. Voilà. Puis on peut mettre un petit peu de couleur à l'intérieur de sa bouche. On va prendre la couleur cannelle. Je vais venir en mettre dans la partie supérieure, mais on va laisser une petite section dans le bas
ou ça va être juste le blanc. OK. Comme ça, ça y fait comme si ça fait moins foncé à l'intérieur. Ça suggère une petite lumière. Voilà. Pendant que j'ai mon pinceau, mon petit pinceau, je vais venir mettre de l'ombrage à la base du nez ici. En y mettant quelques traits qui remontent vers le haut. Puis dans la partie supérieure du nez, là j'aime mieux le petit lunar 16. On va venir mettre, je vous le mets de votre côté, vous allez mieux voir, puis c'est bon comme ça. C'est on va parfait. Venir mettre juste un petit peu de lumière ici. Ici, mes traits du côté gauche sont un peu plus longs. Puis on varie un peu nos longueurs, comme ça, ça fait une zone de lumière plus intéressante. On va y en mettre une petite affaire plus intense ici. Ce petit pinceau-là, un 16, il est bien le fun quand on aime peaufiner, là, ça travaille bien. Elle est tellement belle, moi, elle me fait sourire. Ouais. Je l'aime d'amour. Okay. Pendant qu'on est comme dans un petit peu dans notre détail, oui. On va poursuivre. Elle est toute surlignée, on va venir définir avec le crayon brun. OK. Fait que pour le faire, les filles, c'est important, si votre pinceau, votre crayon, la pointe est rendue toute ronde, là, mm-hmm. C'est parce que vous avez pesé trop fort. OK. C'est vraiment, là, léger, léger. On n'a pas besoin de peser fort, on effleure la surface. C'est juste des petits traits brisés, donc ça ne peut pas être des lignes continues, des fois des petits pointillés. Qu'on va venir, même ici, pour séparer la section du visage, le haut. Ouais, ma main cache non, peut-être un bon, petit c'est peu. Non, c'est bon, je m'adapte. Faites-en pas avec ça. On est tellement privilégié de t'avoir en vidéo. Ici, on va venir. Mais, ça, fait que si on regarde moitié-moitié, oui, hein? On s'en allait dire la même ouais. Affaire. Là, regardez la différence, là, c'est... Oui, ça ajoute, c'est ça vient chercher très des beaux détails. C'est souvent là que on commence à apprécier davantage notre travail. Ici aussi. Fait que de ne pas faire des lignes complètes, de laisser des petits traits brisés, ça étouffe moins, c'est plus léger. Puis beaucoup plus facile à réaliser par le fait même. Je sais qu'on se répète, là, mais c'est 100% sec, là, hein? Il n'y a pas une lueur oui, c'est de... important que ça soit sèche. Si c'est humide, des fois, vos lignes peuvent avoir tendance à filer, là. OK. On se permet ici aussi de venir définir les petites pointes de son collet. Puis, je vais faire la même chose avec toute la section du corps aussi. Le dos. La queue, la même chose aussi. On va en mettre aussi ici pour créer une petite séparation entre la section roux, rousse plutôt que la section la pointe de la queue. Okay. Pour la pointe des oreilles, ça aussi c'est comme les pattes, je l'avais oublié tantôt, c'est en bleu. OK. Fait que quelques petits traits pour aller chercher des pointes d'oreilles plus foncées. Un petit peu à l'intérieur aussi. La même chose de l'autre côté.
Puis on va aller faire le sol. Okay. Je sais qu'on n'a pas fait son collier. Okay. Quand tout est sèche, on va venir l'ajouter pour le faire. Mais là, ça ne nous empêche pas d'aller faire le sol. Ce n'est pas des sections qui dérangent là, ou qui embarquent les unes sur les autres. Fait que je vais mettre mon médium au sol. On va y venir y mettre un petit peu d'ombrage sous ses pattes. Directement sous les pattes de notre petit renard, je vais prendre un peu, c'est lui, le petit un corps, on va mettre noir. Puis même quand je viens chercher du noir, là, je rajoute quand même un peu de médium dans mon pinceau. Parfait. On va regarder comme ça. Puis là, c'est important de suivre, bien là, c'est facile avec la toile, la base de la toile. La base de la toile, OK. OK, donc on est rendu à poser l'ombrage sous les pattes. On va juste, je vais prendre un pinceau. OK. On avait mis notre médium. Puis c'est important, dans votre noir, là, je sais que je le répète, là, mais mettez un peu de médium. Arrivez pas que le noir pur, même si vous avez du médium sur votre surface, vous allez trouver que bien, c'est un petit peu foncé. Dans le fond, on peut commencer par moins, puis en ajouter si on voit qu'il en manque. C'est ça que tu suggères souvent. Oui. Ça s'enlève moins. Oui. On n'en met pas trop. Allez-y léger. Travaillez avec un petit pinceau. Un quart, ça va vous aider aussi à contrôler la quantité que vous mettez. OK. On poursuit. Toujours avec du médium puis la couleur turquoise. Ça, on est surprise. Bon. Touche, un petit punch. Juste en bas du noir, vous pouvez le rentrer un petit peu dedans. Pas trop, mais juste un petit peu. On va venir chercher une belle touche. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. C'est léger. Oui, oui. Oups, mon Dieu, j'ai... C'est léger. Oui, c'est ça. J'en avais 2 tonnes dans mon pinceau. On ne voyait pas. Non, c'est bon. Juste des petites touches. Puis, pensez à garder ça droit, suivre l'horizon. Ne faites pas des bananes, c'est moins joli. OK. Pas de bananes. Pas de bananes. No bananas. Fait que là, on va juste ajouter quelque chose ensemble. Puis après ça, on serait rendu à revenir tracer son collier. Son petit collier de feuilles avec des cerises, là. On vient le reporter après. Okay. Mais on va juste ajouter ces petits traits-là. Oui, parce qu'on a encore notre couleur dans le fond. Exactement. Okay. Des petites touches, notre mélange de base. Puis ça, les filles, si jamais vous dites, hey, moi, des renards, là, je vais en faire toute une famille. Conservez-les dans les petits contenants, là. Ça. Là, les miens sont coupés, là, mais ça. Oui, je comprends. OK. Elle va se garder. Parfait. C'est sûr que si vous avez juste un petit fond de peau, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... Là, il va y avoir un peu d'air qui va s'accumuler. Oui. C'est ce qui va faire que ça va sécher. Par contre, si vous n'avez au moins, puis c'est pas des gros contenants, là, la moitié du pot, ça va se conserver un bon moment. C'est super. OK. On revient donc pour faire les petites touches de chaque côté du renard. Du médium dans mon pinceau. Là, je vais prendre un pinceau 1/8. J'avais ça un peu gros. Eh bien, ces petites touches-là, je ne sais pas si on le voit ici, là, ça ici. Oui. Sont pour chaque côté du renard. Là. OK. Fait que, petit pinceau 1/8. Puis, on va venir mettre des petites touches. J'ai du médium dans mon pinceau avec ma couleur, la couleur de base du renard. Puis, on le travaille juste sur la tranche. OK, c'est clair. On va y en mettre là, un petit peu ici. Puis, mais j'imagine le collier est arrivé. Ben oui, j'ai tracé son collier. Ici, on va y en mettre aussi. Tiens. Voilà.
le collier est reporté. OK, pour venir le faire, on va travailler au départ avec un petit pinceau traceur, la couleur chocolat. On va faire comme la vigne, les petites branches. Fait que vous mélangez votre couleur, le chocolat, avec du médium. OK. Parce que travailler avec la couleur pure, puis le pinceau traceur, quand on veut faire des lignes, ça travaille moins bien. Donc, d'ajouter le médium, vous allez liquifier un petit peu votre couleur. Ça va glisser mieux au pinceau traceur. Parce qu'on veut quand même des traits qui soient fins. Hein? Ici. Là, ça se peut que vous vous dites comment qu'à tracer ça. Je me suis mis juste mes cerises, quelques lignes. Je connais un petit peu le dessin. Je me suis dit que je me retrouverais. Mais juste pour qu'on ait un repère. Mais vous pouvez tracer chacune des feuilles. Okay. C'est très, très bien, là. Finalement, allez-y à votre aise. OK. Fait que vous allez voir avec le médium, ça travaille bien. Mélangeant notre couleur au traceur, là. Oui. Ici. Fait qu'on va faire toute notre vigne comme ça. Ici. Nos petits coins là. Il y a des petites branches qui débordent. Voilà. Fait que là, on a une partie de son collier de situé. On va venir mettre les fruits rouges pour le faire. On va travailler avec le stylet. Puis le rouge opaque. OK. C'est important parce que sinon, vous allez avoir des fruits qui vont être foncés. OK. OK. Pour les cerises, j'avais juste oublié de dire, comme c'est le rouge opaque, oui. Ce rouge-là, par défaut, il est un peu épais. OK. La couleur est plus épais. Sans trop diluer, là, j'y mets juste un petit pouch de médium. OK. OK. Parce que sinon, vous allez avoir des cerises en trois dimensions. C'est beau, là. C'est très beau, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Les faire rechercher. Oui. Puis mon pot, ma couleur est neuve, là. Tu sais, cette couleur-là, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle est épaissie. Parce que des fois, vous le savez, quand on est dans un fond de pot, des fois, ça devient un peu plus épais. En passant, truc du jour. Si jamais, des fois, le blanc fait ça, le taupe, les couleurs opaques. Vous êtes dans le fond du pot, puis elle est épaisse, là. Est bonne pareil, mettez-y du médium. Okay. Juste un peu de médium, mélangez comme faut, là, ça va y redonner. Il y a l'annonce, ajoute de la crème, puis il y a l'annonce. Karine dit, ajoute du médium. Ça va y redonner un petit air de jeunesse. OK. Donc, pour faire nos fruits. Là, t'as-tu un petit. Oui, mais là, je suis pas avec le. Je suis pas mal avec le plus petit. OK. Tu sais, si on regarde des fois les grosseurs, là. Si tu laisses surdimensionner. Oui, là, on voit que les miens, ils ont beaucoup de. Ils ont de la vie. Ils sont pleins de couleurs. C'est parfait. Fait que je travaille avec le deuxième. OK. Plus petit. OK. Je viens dans ma couleur, on pique. Oui. OK, on le pique comme ça. Donc, j'y vais. Mais si jamais c'est pas assez gros, n'hésitez pas, des fois, juste parce que pour remplir. Votre ligne de tracé. Ah, je comprends, okay. C'est bon. Ça se peut que vous arriviez pile, mais des fois, ça arrive, on n'a pas toujours la même... On a trois gros... Plusieurs cerises, oui. Je vais finir par le dire, mais pas tous de la même grosseur. Fait qu'hésitez pas à faire juste un petit mouvement de rotation pour agrandir. Simple comme cela. C'est magnifique. Oui, c'est beau, des belles cerises. Souvent, on a juste à pointer, puis soyez bien perpendiculaire à la surface. Ça permet d'avoir des cerises bien rondes. C'est des cerises de France. Ici. Fait que là, on vient toutes les faire comme ça. Attention, comme il y a de l'épaisseur, ça ne sèche pas tout de suite. Mais de pas vous accoter la main dedans. Puis, elle parle ça. Pour moi, les filles. Ben là, je pourrais dire un peu pour moi-même aussi. Des fois, on dirait qu'on veut aller trop vite. Puis, ça, tiens, on va y en mettre une petite dernière ici. Voilà. Fait que déjà, c'est cute, hein? C'est le fun. C'est magnifique, oui.
Fait que là, idéalement, on sèche au séchoir ou on laisse sécher. OK. OK. Mais nous, pour les besoins de la cause, on va tout de suite poursuivre. Je vais vous montrer les petites feuilles. OK. Avec le pinceau 1-8, c'est important qu'il ne soit pas trop vieux. Le mien, tantôt, je l'ai laissé sécher. Je vais juste bien le laver, là. On va le gratter comme il faut. OK. On va faire des belles petites feuilles avec la couleur vert prairie, qui est un vert bien soutenu. Ouais. Je vous remonte le petit foulard. Oh, qu'il est beau! Oui, c'est assez beau, hein, pour mettre après soit votre tablier, soit après le sac. C'est... Oui. Je viens faire les feuilles avec le pinceau 1-8. J'ai pas besoin de diluer cette couleur parce que c'est une couleur tissu clair. Par défaut, elle est transparente. OK. Fait que je viens faire les feuilles. Puis là aussi, si jamais votre pinceau, là, j'en ai un comme ça, là. Oui, moi. Tu sais que la tête est toute émoussée, là. Oui. Si vous voulez brosser, il y a des petits coins. OK, mais c'est parfait. Mais si je veux faire des feuilles, je vais avoir de la misère. Fait que je le garde, tu sais, parce que il y a encore une durée de vie. OK. Mais pas faire des feuilles avec, j'aurai pas de plaisir, là. OK. Fait que on vient y mettre des petites feuilles un petit peu partout, ici et là. Là, moi, j'ai une question. Tu as dit, c'est transparent. C'est une couleur transparente. Oui. Là, moi, je la regarde, là, puis moi, je la trouve opaque sur ton... On le voit-tu ici? Tu sais, des fois, la différence, ici, je suis sur un tissu, puis là, ici, je suis sur un fond qui est coloré. Oui. Mon Dieu, OK. On aurait dit qu'il y avait... Oui. Ah, OK, je comprends. C'est, mais mon verre va être très beau. Notre couleur n'est pas fade pour autant, absolument pas. Okay. C'est juste que si, mettons, j'utilisais ce verre-là sur un tissu noir... Oui. On le verrait pas tellement. OK. Puis d'ailleurs, j'ai fait une spécification dans le patron. Dans mon verre, j'ai ajouté un petit peu de vert printemps. Parce que lui, il est opaque puis il est très éclatant. OK. Comme les gouttelettes, là, c'est vert printemps. J'aurais pas pu y aller avec le vert prairie. C'est juste que vert printemps, il est très punch. Hein. OK. Pour des petits accents, c'est beau. Mais des fois. D'y mettre un petit peu, tu sais, de mélanger avec un autre le verre, ça vient le calmer un peu. Et merci encore. Ouais. On finit plus avec les trucs du jour. C'est un spécial truc du jour. Fait que on y va un peu partout comme ça. Vous pouvez suivre évidemment votre tracé. Je suis certaine que vous avez pris soin de bien le reporter. Je vais me tourner un petit peu. Vas-y, pas de souci. Ça. Fait que on y va un petit peu partout. On va y en ajouter un petit peu de vert printemps. Sur le tissu pâle, j'avais mis plus de turquoise. On va s'amuser, on va le faire ensemble. Fait que. Dans mon pinceau, j'ai mon vert plus foncé. Oui. Mais je suis venue chercher pointé juste un petit peu dans le vert printemps. Fait que si j'en mets, des fois, je peux juste venir à peine essuyer. Tu sais, je viens sur ma feuille, puis j'essuie un petit peu comme ça. Plus petit. Oui. Et regardez ce que ça fait. Tu sais, ça n'a pas besoin de tout remplir. C'est juste pour aller chercher une petite touche plus lumineuse. Fait que quand toutes nos feuilles sont faites comme ça, on va venir en ajouter des transparentes. Des transparentes, je dis plus claires. OK. On le fait autant sur le noir que sur le pâle. C'est les petites feuilles turquoise. OK. Oui.
ils vont venir comme fournir notre bouquet. Fait que c'est celles qui sont en pointillé sur votre tracé. Okay. Fait que pour le faire, je prends du médium éclaircissant puis je le mélange à part égale avec la couleur turquoise. Okay. Fait que je me fais un petit mélange ici. On va y en mettre un peu plus. Fait que ça me prend autant de couleurs que de médium. Fait qu'on va venir chercher quelques petites feuilles qui vont être... Là, je viens de les faire, mais elle va pâlir un petit peu, là. Oui. Elle va rentrer dans le tissu, là. Fait qu'on en met quelques-unes comme ça. Suffisant. Hein? On va ajouter, quand on a fait nos vignes qui nous forment la couronne, on va ajouter un petit peu de taupe. Là, ça a eu le temps de sécher, c'est certain. Un peu de médium, parce que je suis avec le pinceau traceur mélangé avec la couleur taupe. Puis on va ajouter juste un petit peu de lumière. T'sais, ici et là, j'ai pas besoin de faire chacune des lignes une à une. Mais ça va être intéressant de mettre des petites touches un peu plus claires, comme ça. C'est beau. Ça, c'est tous les soucis du détail. Tiens, juste quelques-unes, hein? Puis il faut en garder des juste avec la couleur chocolat, là, c'est parfait. OK. Ça. Mes cerises ne sont pas tout à fait sèches. Je vais les faire sécher. Puis, on va les finaliser ensemble. Parfait. Magie, tout est sec. Oui, tout est sec et même encore chaud. OK. Oui. On veut mettre un petit peu d'ombrage puis une touche de lumière sur nos cerises. Pour le faire, faire des petits dégradés, tu sais, aller chercher un trait plus précis. C'est pas toujours facile quand c'est des pinceaux lunar. J'ai pris le Chisel Blender, un petit pinceau plat court. Okay. Tout petit, un numéro 4. Okay. C'est bon. C'est la couleur rouge d'Orient. Je ne sais pas si on le voit ici. Là. Oui. Je mets ma couleur sur un coin du pinceau. Juste un petit coin. Puis, je vais venir faire un croissant. Un C, un croissant, appelez-le comme vous voulez. Juste à la base des fruits. Pour aller chercher un petit ombrage. Okay. Fait que c'est les petites minutieuses, là, vous allez adorer ça, hein? On aime les petits détails, là. Et ici, on va le tourner un petit peu. C'est juste que c'est avec un pinceau lunar, parce que de par sa forme... Ça marche moins, comme ça, oui, c'est ça. De venir chercher. Puis là, ben, comme c'est déjà peint, on n'est pas sur un tissu brut. Hein? On est sur une section qui a déjà de la peinture. Donc, notre pinceau plat va bien glisser. Là. C'est bon. C'est très beau. Pour les finaliser, oui, on va prendre du blanc, un petit pinceau traceur, puis on va venir y ajouter juste un petit trait de lumière comme ça en haut. On va leur donner une belle touche lumineuse. On va le tourner un petit peu. Tadam! C'est très beau. Ensuite, ce qui nous resterait dans notre projet, ce serait de venir faire des éclaboussures. On les fait ensemble? Oui, certainement. Okay. Dans ce projet-là, Non. Okay. Oui, c'est un bon point. Je m'excuse. Oui, je m'excuse. Le rose fluo, j'en ai pas mis sur les tout petites. OK. Je l'ai gardé, c'est vrai, t'as raison. Oui. Mais juste pour les grosses cerises. Parce qu'on a beaucoup plus d'espace pour aller en mettre. Tandis que là, c'est tout petit. Tout petit. On a mis de l'ombrage, on a mis un point de lumière. Je pense que ça convient.
Très bien. C'est pour les cerises vraiment plus grosses que là, on a mis du rose fluo dans le haut avant de mettre notre point de lumière. Oh, c'est parfait. Pour celle-là, c'est juste un petit rappel. Fait que on garde ça simple. C'est bon, c'est bon. Okay. Les éclaboussures, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ensemble. Quand on fait des éclaboussures, c'est important de mélanger votre couleur avec au moins 4 parts de médium. Puis là, on est avec le vert printemps. Puis je vous ferai remarquer qu'elle fait toujours ça debout. Oui, ben oui, je veux automatiquement, je ne peux pas rester assis. Non. Les éclaboussures, oui, il faut faire ça debout, c'est certain. Mon vert, mon médium. Oui. OK. On le mélange bien ensemble. Je vais même mettre une petite touche supplémentaire de médium. Il me semble que c'est encore un peu plus, un petit peu trop épais. C'est bon. J'ai un pinceau éventail à poils de porc. Mm-hmm. Parce que les poils de porc se séparent plus facilement, donc font des gouttelettes qui vont être un petit peu plus grosses, puis plus faciles à aller chercher. Okay. Comme c'est moi qui fais le ménage de ma table, je vais me mettre une serviette. Si jamais vous n'en voulez pas du tout sur votre nord, là, ce que vous faites, je vous montre, vous mettez comme ça. Prenez un essuie-tout, un chiffon que vous mettez là où vous en voulez pas, tout simplement. OK. OK. C'est bon. Mon pinceau éventail, j'enlève juste mon excédent, mon surplus. Oui. Je m'assure d'ouvrir les poils. Oui. Là, il est bien chargé. Mm-hmm. Je vais me placer debout au-dessus de ma surface. Vous pouvez utiliser, mettons, soit un gros pinceau ou un feutre comme ça. Pour venir tapoter sur votre manche. Puis, si vous remarquez, je le tiens vraiment au bout. Oui. Je ne le tiens pas ici, je n'aurai pas de ressort. Il faut vraiment que je sois au bout. Okay. Puis, on vient tapoter délicatement. Moi, j'aime bien travailler direct avec... Comme ça, on les voit. Okay. Oui, là, j'avais bien déchargé tantôt parce que je voulais vraiment vous le montrer. Je suis revenue en mettre un peu. Je vais aller comme ça dans la partie supérieure de mon projet. On met nos éclaboussures. OK. Puis dans celui-là, des fois, tu en agrandis. Lui, non, c'est des éclaboussures. Parfait. Tu sais, comme là, oui. Ah, c'est beau. On lui voit. Oui, oui, c'est parce qu'elles sont encore fraîches. Oui, oui, hein? Oui, puis on est un petit peu plus... Tu sais, sur le noir, le contraste est plus fort, c'est certain, là. Oui. Oui, là, on les voit. C'est bon. C'est bon. Mais on les voit ici aussi. C'est moi au début qui ne les voyais pas. Je m'excuse. Okay. Mais c'est sûr. Ah, c'est... Voilà, il vous resterait juste à signer votre pièce. Oh, merci encore une fois, c'est tellement agréable de te voir peindre et de tout faire ça. Merci énormément encore une fois. Ça fait plaisir.